Marine a 5 ans la première fois qu'elle annonce à sa mère qu'elle veut être Miss Réunion, mais le chemin pour y arriver sera semé d'embûches. Durant mon adolescence, j'avais commencé à prendre du poids. Et euh, plus tard, avec la maturité et l'expérience, j'ai décidé de me prendre en main, ce qui a fait que j'ai réussi à perdre ces kilos un peu en trop, on va dire, et avoir un peu plus confiance en moi. Et c'est là que je me suis dit, bon bah peut-être qu'il serait temps de te lancer, de réaliser ce rêve de petite fille. Grâce au sport et après avoir perdu une dizaine de kilos, la jeune femme gagne en assurance. Non, en fait, prends par dessus comme ça et fais remonter. À 21 ans, la Portoise est une jeune femme comme les autres. En troisième année d'école d'infirmière, elle souhaiterait travailler auprès d'enfants handicapés. Un univers bien différent de celui de Miss Réunion. Comme j'ai l'habitude d'être à l'écoute et de, de prendre soin des gens, pour moi, être une ambassadrice, c'est ça, c'est de prendre soin de mon île, même voir des réunionnais, d'être là pour eux. Marine avait été élue Miss Réunion Ouest. Maëlle, sa meilleure amie, l'avait encouragée à postuler au concours. Fière de son amie, elle avoue même qu'elle a un petit plus. Peu importe avec le public qu'elle a ou les amis, ou peu importe les personnes qu'elle a devant elle, elle va s'adapter aux personnes et elle saura toujours être à l'aise, en fait, aussi bien dans ses talons que dans ses baskets. Marine est très proche de sa mère qui les a élevés seuls, elle et son frère. Noël Chantal est admiratif de voir sa fille aller au bout de ses rêves. Il faut avoir du courage pour monter sur un podium. Pour, pour accepter les critiques des uns et des autres, surmonter aussi la pression et puis le stress. Si la maman croit en sa fille, elle n'espère qu'une chose, c'est que Marine concrétise son rêve et prenne une revanche sur la vie.